On se retrouve juste après mon épisode, non? Hein? Oh! Salut tout le monde, intro! Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Far Cry 3. Hop, on va aller voir Denis. D'accord. Davis, c'est juste un petit... J'ai les plantes et les animaux. Et j'ai oublié, alors je fais ça vite fait, voir si je le trouve, sous-titre, paf, français, merci, hop, hop, voilà, bien, désolé. Tu vas imposer ta volonté à la nature, je t'apprendrai. Bah, j'aurais dû attendre 2 secondes en fait. Alors, sers-toi de tes plantes pour fabriquer 2 seringues. Bien, Jason, tu pourrais même trouver des plantes plus puissantes dans la jungle. Sacre. Avec un peu de chance. Maintenant, utilise les peaux de tes gibiers pour transporter plus d'équipement. Tu peux confectionner de quoi transporter plus d'armes, d'argent, de butin ou de seringues. Ah, une dernière chose, le tatouage sur ton bras, il signifie que tu es spécial. Enfin, tu as l'âme d'un guerrier. C'est toi qui me l'as fait, tu quoi. Tu progresses le long du chemin. Je vais te montrer comment les utiliser. Pour chaque tatouage, une compétence est maîtrisée. Tu peux décider de maîtriser 3 disciplines différentes. Là, je vais t'apprendre l'élimination. L'effet, tu t'amélioreras. Et le tatouage grandira avec chaque compétence apprise. Choisis-en une autre. Tu es très doué, Jason. Le tatouage est... Ça c'est ouf, ça, un tatouage évolutif comme ça, t'imagines? On a une américaine! Viens jouer avec nous! Qu'est-ce que. C'est ça? Oh merde! Il faut qu'on la libère! Non. Suis-moi, viens! Ok, Denis, j'arrive! Oh, c'est raciste. Faut que j'arrête. C'est pas méchant. C'est cet avant-poste où ils détiennent Lisa! Les avant-postes sont des places fortes partout sur Rook Island. Grâce à eux, les pirates de Vaas contrôlent tous les environs. Donc va falloir qu'on se batte. Oui, et ça en vaut le coup. En sauvant ton ami, tu fais d'une pierre 2 coups. On est en guerre contre Vaas. Pour récupérer l'île, il faut reprendre les avant-postes aux pirates. Quand on en rend un au Rakyat, la zone devient plus sûre. Voyager plus vite et des occasions de développer des compétences de guerriers apparaissent. Ok. Qui est dans la voiture? Des guerriers Rakyat, de vrais Rakyat, qui vivent au cœur. Parce que moi je suis pas un vrai Rakyat, moi. Moi j'ai un tatouage, mais hein. Attention. Écoutez, j'apprécie votre aide. Je veux seulement sauver Lisa et mes amis. Mon frère. C'est la seule façon de les revoir en vie. Tu t'es enfui du camp d'esclaves. Tu as survécu. Ton frère est un peu mort. Désolé pour toi. Alors, j'espère que le son est pas trop fort non plus. Je le mets au milieu, donc normalement. Ok. Non. Denis t'a donné le tatouage. Maintenant, tu dois te battre. Non. Tu peux décider d'attaquer de front, de les éliminer à distance ou de t'infiltrer. Alors j'essaierai de faire le maximum en infiltration. Mais la première, je suis jamais arrivé en vrai. Quand t'as un pistolet sans silencieux et juste un couteau, c'est compliqué. Mais après, ça ira mieux. Alors, premier truc, tac. Non mais te mets pas devant. Il y en a là et je crois que c'est tout. Hop. Chut. Ah non, il y en a encore. Ah, je suis maxi. Putain de rebelle. Laissons-les dans ce trou. Je vais essayer d'en amener un. C'est vrai qu'il est con et qu'il voit pas la pierre. Hein. Il doit les jeter surtout. Merde.
Non. Oh putain, c'est vrai qu'il y a un chien. Faut que je fasse gaffe à lui aussi. C'est encore ça. Il y a un cochon. Allez hop, déjà 2. Il en reste 3. Plus le chien que j'ai toujours pas vu. Je sais pas où il est. C'est un peu embêtant. Il doit être vers là, mais je sais pas où. Oula. Allez, il en reste plus qu'un. Moi qui disais que je pouvais jamais la faire en infiltration. Oula. Allez, 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 allez. Il reste plus que le chien. Trop fort, Moï. Quoi? Juste parce que j'ai tiré sur le chien? Oh, ça c'est méchant ça. Non, les trésors d'abord. Excusez-moi. Hop. Ça. Ah oh, mais y'a plus le cocheur. Y'a plus le cocheur. Ah bah non, il est parti. Alors, on va se diriger plus vers... Non, c'est pas ça. C'est celle-là. Pour avoir les butins directs. Ou les doubles fleurs. Non, le butin direct. Ça aurait été trop simple. L'avant-poste près d'Amalaki a été attaqué. Où est la prisonnière américaine? On l'a perdue. Quoi? Mais elle a pris la fuite dans l'ouest de cette putain d'île. Je t'en dirai plus quand on y sera. Mais c'est enfui. Jason, tu fais honneur à ton tatouage. Tu es digne de suivre la voie du guerrier. Ok. C'est qu'un tatouage, les mecs. Hein. On a trouvé un de tes amis à la maison coloniale. Ah bah. Chez le docteur Earnhardt à l'ouest. Mais ne t'inquiète pas, l'endroit est sûr. Le docteur attend ton arrivée. À l'ouest? Vous savez de qui il s'agit? Non, mais nous allons continuer d'essayer de trouver les autres. Je t'avertirai par radio si j'ai des infos. Bombe le torse, Jason. La tribu est très impressionnée. Ah. Oh. Je quitte le chef maintenant. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, c'est pour montrer que... D'accord, ok. En dessous aussi, hop, on va récupérer ça. Tac. On va vendre nos trucs. Ça va. Ça, j'avais pas besoin. Ça, j'avais pas besoin. Je suis sûr qu'il manque presque rien pour acheter la... Comment ça s'appelle? Il est où? Il est où? Il est où? Il doit être là, 925. Ah, il faut que je récupère un petit... petit trésor. Non, j'ai rien dit parce qu'on va aller faire les petites missions tranquillou. Ça rapportera de l'argent. Je vais faire celle-là direct. Oui. Bah, il y a un cochon. Hop. Et il y avait un trésor, donc j'ai rien dit. Combien ça va me rapporter ça? Ah bah nickel. On va aller chercher l'arc.
Hop, comme ça, on aura un silencieux. Ah, j'adore l'arc. C'est bon? Merci. Hop, on va prendre l'arc. Tac, non, c'est pas là-dedans. Arc spécial, tac, tac. C'est bon, hein? Ouais, ouais, normalement c'est bon. Nickel, hop. Comme ça, j'ai mon petit arc tranquillou. Celui-là, je vais le garder tout le long de l'aventure. Dès que je peux, je vais prendre un sniper avec silencieux aussi. Et puis voilà. C'est un cochon, ça. Hop, on marque tout le monde. Tac, tac. Caché. Je suis caché. Il faut que je l'aie au couteau. Hop, l'autre il m'a pas vu. Je suis caché. Hop, on se recharge la vie et on va ramasser tous les sous. Alors ça si bon, ça si bon. On va récupérer les deux petits coffres qu'il y a là-dedans. Les plantes, je verrai ça après. Faudra vite que je me dirige vers la seringue. Comment ça s'appelle? Celle qui permet de courir plus vite et plus longtemps. Je vais faire un saut rapide, tant qu'à faire. On est juste à côté. Hop, ça c'est bon. Et on va se diriger vers la mission de chasse. Alors oui, je vais faire le maximum que j'ai dit. Donc toutes les missions chasse, toutes les missions chasse à l'homme aussi. Tous les avant-postes, tous les tours radio, on va les faire ensemble. Comme ça. Ce sera nickel. Ouais, j'ai pas voulu faire ça sur Mad Max parce que c'était trop long. Bon, j'ai Far Cry, c'est... Ça va être un peu plus simple. Oui, je n'arrive pas à parler, il est un peu tard. Quoi? Je veux monter dans cette voiture. Bon, ok. Et dans celle-là. Merci. Si jamais je fais tout ça en live. Donc si vous voulez venir, vous avez l'adresse à la fin de chaque vidéo que je fais sur YouTube. Donc voilà, ça sera un peu plus sympa de parler en direct plutôt que vous avoir en commentaire. Allez, c'est parti. Sarah Connor. Non, ce n'est pas Terminator. Arrête. Arrête de faire des blagues pourries, s'il te plaît. Ah, ils sont où? Ah. Ils sont là. Ouais, je les ai tous eu. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. C'est pas les malins avec moi. Putain. J'en ai perdu, hein. Ah non, il est là-bas. Hop. On ramasse les poux. Ah. Bandoulière. Tac. Ça, c'est bon, ça. D'ailleurs, faudra que je me dirige vers les chèvres juste après, comme je voulais la dernière fois. J'ai quand même ramassé les poux.
pour faire mon deuxième holster et le portefeuille niveau 2. Comme ça, je pourrais acheter mon petit sniper. Bonjour, monsieur. Ok. Je crois que ça a été... Ça a tiré un peu plus tôt, mais en fait, wow. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tac, ça tombe bien, on est juste à côté. Ok. Et ben on va prendre la voiture. Allez, c'est parti. Non mais lol. Laissez-moi tranquille vous. J'arrive. Oh mais il y en a un troisième derrière. F. Allez salut. Hop, voilà. Et on ça va tranquillou. Ça doit être par là-bas. Ben voilà, on s'est bien carré. Nickel. Ah mais c'est chez d'accord. Bonjour, bonjour. Bonjour, oui, bonjour. Je fais que passer, hein. Je reviendrai plus tard. Est-ce que j'ai pris la bonne route? Je suis pas sûr là. Je le sens pas le. Allez! Allez, tu peux le faire! Allez! Allez, Jason! Allez! Jason! Jason! Voilà! Non, ce n'est pas Skyrim. Alors arrêtez. Putain, c'est loin. Ouh, pétard, c'est loin. Oh, Jason. Arrête. Oh, y'a un chien. Trois mecs. Ok. C'est parti. Oh, ce jeu est magnifique quand même. Je sais plus de quelle année il est, mais franchement, pour l'époque, c'était magnifique quoi. Ok, il faut le tuer au couteau. Allez, essayer de pas faire le con. Il y a un autre mec. Il y a le chien qui est derrière. Quoi, t'as, tu te retournes ou... Ah non, tu... D'accord. Enfin, tu me gênes un peu, mec. Comment je fais, moi? Voilà, on fait comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Hop, un petit coup de seringue. Je vais prendre une mitraillette, ce sera un peu mieux. Hop, et on va se diriger vers là. Petite mission de rescue. Et puis je pense qu'on s'arrêtera là, tranquillou, pour ce deuxième épisode. On fait des petites missions comme ça, secondaires. Là, on va se diriger vers un ravitaillement. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Ils s'en foutent. Si, on fout ça. Allez, c'est parti. Mip, 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 mip. Mip, miaou. Wow, 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 wow.
On se rappelle de mon skill sur Mad Max au niveau de la conduite, hein. On va arrêter de faire écho. Wow, 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 wow. Ah, nickel. Alors, je vais prendre le petit trésor. Ah bah tiens. Merci, thérapie. Il est où? De rien, mec, mais je te le reprends, hein. T'en as pas besoin, toi. Allez, salut. Oh, le mec. Alors, je vais me diriger vers le petit... Le petit défi. On va se faire ça. Ah, faut pas regarder. Ah, mais c'est bon, j'ai déjà fait. What? Oui, bon, hein, c'est mon ancien pseudo. Faut arrêter. Hein. Je sais pas pourquoi il m'affiche celui-là d'ailleurs. Bref, on a tous fait des erreurs hein, quand on était plus jeunes. On va essayer de se le faire quand même, hein, entre nous. Parce que, bon, hein. Alors le mieux pour celui-là, c'est les cut. Voilà, sans qu'il nous voit. Comme ça, ça fait un max de points. Je tiens, connard. Faut essayer qu'il nous voit. Ah, furtif, ça c'est bon. Je suis sûr d'avoir entendu un bruit. Enfin, je crois. Alors c'est un peu dommage, on voit pas mon score en haut. Parce qu'en fait j'ai un écran un peu plus grand. Et je sais pas pourquoi ça bug à ce niveau. Hop, ça on va le prendre. Et on va le laisser passer tranquillou. On va se prendre le deuxième. Voilà. Voilà. De toute façon ils viennent, donc ça c'est bon. Oula. Allez, attrapons-le. Si je t'attrape, je te saigne. Ah, ah, ah. Ça va, 385. Nous aurait fallu 325. C'est tout bon, nickel. Super. Et ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, on va prendre ce trésor et puis on s'arrête là. Tranquillou. Et ben non, au final on va s'arrêter là. Tranquillou. Ah ben il est là. Et puis voilà, je pense que pour un deuxième épisode c'est pas trop mal. Je sais pas combien j'en suis, mais bon. Ça devrait le faire. Hein. Ouais, c'est bon. On va aller là-bas. Et comme ça, la prochaine fois, on ira chasser un petit peu de la chèvre. C'est vrai que j'en parle beaucoup, mais je le fais pas. Donc on va les faire dans le prochain épisode. Allez, salut tout le monde.